Et oui, bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Makaï de Marseille. Voilà, je suis parti acheter le pain parce que franchement, je vais me faire. Je sais même plus quoi cuisiner à force de rester seul. Je sais même plus quoi cuisiner. Voilà, il y a des gens qui m'ont aperçu derrière la cité Bellevue. Ils m'ont demandé quand c'est, tu vas nous faire gagner les smartphones. Ah, ben écoutez, pour les gens qui me suivent dans le 13e. Et dans tous les environs du 13e, quoi. J'attends toujours les grandes marques qui doivent me livrer certains colis pour faire gagner aux gens, bien sûr, être sponsorisé aussi. Voilà. Là, j'ai comme là mon habit de l'OM, là. Voilà. Là, ils m'ont dit qu'il fallait que je me montre assez souvent avec. Voilà. Hein. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Fallait que je me montre souvent avec et. Mais bon, je vais pas mettre que ça aussi, hein. Je change. Là, je dois recevoir aussi des baskets. Il y a beaucoup de sites de boutiques en ligne, comme Wish, Vovin, tout ça et tous les autres. Amazon, non, je vais refuser. Amazon, ça me plaît pas tellement et en plus. Un jour, j'ai fait un compte sur Amazon et je sais pas si je me suis fait pirater à cause d'eux. Et voilà, donc je suis un peu craintif sur Amazon. Après, j'ai plus confiance à Wish, Vova et certaines autres marques comme Decathlon et ainsi de suite, etc., etc. Là, je dois recevoir aussi des sacoches pour hommes. J'ai passé en fait un petit partenariat avec certaines marques. Je pourrais pas trop les citer. Là, je vous ai cité quelques-unes, mais bon, après, j'attends qu'on m'envoie toujours des colis pour tester. Et je vais essayer aussi de faire tester à mes voisins, là où j'habite, dans le 13e. Et voilà. Donc, là, ce que j'attends le plus, c'est des téléphones smartphones. Et on m'a dit dernier cri, mais bon, je m'attends un peu au pire. Venant de Vova et Wish, bien sûr, c'est des marques chinoises. Donc, ça reste à voir. Si vrai, moi, je ne veux pas les garder pour moi, juste je les fais tester. Déjà, je les teste sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, comme les baskets, les dernières requins, les shocks, et voilà quoi. Donc, voilà. Mais, comme à part, voilà, hein, ce que je peux vous faire. Voilà, ce que j'ai pas encore testé, c'est les baskets. Au niveau de Footlocker, les autres que j'avais achetés moi à Footlocker, je les ai fait gagner à un abonné. Et voilà, donc attendez, je vais vous montrer une petite minute. Je sais pas, attendez, je vous mets juste sur pause. Oui, je pense que c'est en train de filmer là. Ouais. Ben écoutez, mes fans de YouTube, 2 petites minutes, parce que moi je suis un maniaque de la propreté. Voilà, je vous écoute et ce que je tiens à vous dire pour que je vous écoute, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais bon, j'attends toujours des colis de grandes marques qui doivent venir me livrer et que j'attends toujours que j'ai pas reçu. Donc certains jeunes de Bellevue, de la cité Bellevue à côté de chez nous, là, ils m'ont demandé quand si tu pourrais nous faire gagner certains téléphones. Bah, j'ai dit, en plus, je sais même pas quel type de téléphone ils vont m'envoyer. Donc j'attends toujours et je vous dirai au fur et à mesure. Si vraiment je vois que c'est trop long, il n'y a pas que Wish, il n'y a pas que Vova, il y a des autres boutiques en ligne aussi qui m'ont proposé de tester leurs produits. Mais bon. Après, il faut voir la qualité, il faut voir si ça résiste avec plusieurs accessoires, pardon. Ouais. Et voilà quoi. Donc moi, ce que j'ai fait gagner à mes abonnés, certains de mes abonnés, bien sûr, je leur ai fait gagner les mêmes types de baskets que moi. Sauf que la basket que j'avais achetée, les dernières requins que j'avais achetées à Footlocker, je les ai fait gagner pour un abonné de ma chaîne. Donc j'étais obligé de redemander à Footlocker, il m'a dit normalement on n'a pas le droit, c'était pour vous,
Ouais, mais je dis ça va. Vous en avez tellement plein, vous en avez en stock, ça va. Si vous voulez que je vous teste, que je vous fais un maximum de pubs derrière, faites-moi confiance et laissez-moi faire. Allez, il faut aller au kilo, hein. Donc, voilà quoi. Je dis, vous voulez bien passer des pubs sur ma chaîne, je vous laisse faire, hein. Donc, s'il y a moyen de faire gagner pour mes abonnés et tout, franchement, il n'y a pas de souci. Vous me donnerez votre adresse en message privé et je vous enverrai le colis. Voilà. Et là, comme voilà, ce que j'avais fait gagner à mes abonnés, un de mes abonnés, bien sûr. Après, voilà, c'est ceux-là, les Pumas, là. Ils sont belles. C'était ceux-là. Ça, j'étais obligé de donner un de mes abonnés, et du coup, Sport 2000, il m'a gentiment renvoyé notre paire. Voilà. Voilà, c'est les mêmes que j'ai donné à un de mes abonnés. J'ai fait gagner. Voilà. Ensuite, il y a ceux-là. Alors, ceux-là aussi, j'avais acheté en fait pour mes premières baskets, je les avais achetées pour le mois de Ramadan quand il se finit et tout, pour l'Aïd, pour m'habiller. Et du coup, je les ai fait gagner aussi à un autre abonné. Un autre abonné de Nice. Et pourtant, j'ai demandé de me laisser ces photos sur commentaire. Et du coup, comme j'avais le bug avec ma chaîne YouTube, que j'arrivais pas à valider les commentaires, ça fait que ça n'a pas marché. Donc là, YouTube, ils ont regardé, ils m'ont dit que c'était arrangé. Maintenant que si je reçois des commentaires, ça se validerait. Et voilà. C'était pour vous montrer à tous mes visiteurs de YouTube, comme quoi ce que je dis, c'est la vérité. Voilà, ceux-là que j'ai pas encore testé, j'ai pas encore testé pour m'habiller avec. On m'a dit que c'était des nouvelles TN requins. Après les nouvelles, je sais pas, j'en doute un peu. J'ai essayé de regarder un peu sur internet s'il y avait le même modèle ou sur des gens qui avaient des commentaires dessus. Parce qu'en fait, j'ai demandé à Footlocker qu'il me crée une paire de baskets adaptée à mes besoins, même si j'ai la voiture. Même si, bon, pour l'instant, la voiture, là, je suis à pied, parce qu'elle est en réparation. Même si j'ai la voiture, moi, de temps en temps, j'aime bien marcher. C'est pas tout le temps que je prends la voiture, ça dépend où c'est que je me rends. Vu qu'on est bien desservi dans le 13e, on a le Carrefour Le Merlin à côté, on a Aldi des Flamands, on a Lidl de la Rose, voilà, on a Intermarché là au Chartreux, voilà, on est bien desservi dans le 13e. Après, ça dépend où c'est que je me rends. Voilà. Là, je prends la voiture, c'est pas la même chose. Après, bon, quand je suis dans le quartier, voilà, j'aime bien marcher. Marcher, des fois je marche jusqu'en ville, je vais jusqu'au point du Prado, les Stacks, je vais jusqu'à le 15e, je fais tout le 16e. Voilà, j'aime bien marcher. Alors, j'ai demandé à Footlocker qu'il me crée une paire de baskets idéale pour la marche, même si c'est des TN requins. Voilà, au moins je veux être adapté à mon pied. Voilà, je veux que ça soit un peu, on va dire, gonflé comme des bulles d'air, pour que ça me tienne bien le pied, maintienne bien. Et voilà. Donc, voilà, écoutez, ça, j'aurais demandé à Footlocker de me renvoyer une paire la même. Ça a été dur pour les trouver parce que j'ai demandé à tous les Footlockers. Et il n'y a que le Footlocker de la Valentine qui m'a. Parce qu'au début, moi, j'avais acheté la même paire. J'avais acheté la même paire et du coup, un abonné m'a dit: Tu n'es pas sponsorisé sur certaines chaînes. Au départ, non, j'étais pas beaucoup sponsorisé. Maintenant, il y a certains types de marques qui veulent s'associer avec moi. Mais bon, s'ils veulent que je fais tester et que je teste leurs produits sur ma chaîne YouTube, au moins, la moindre des choses, je fais gagner gratuitement, pardon, à certains de mes abonnés et certains gens qui me suivent sur les coteaux, des produits testés par ma chaîne et ainsi de suite. Donc si je peux faire gagner des lots, il n'y a pas de souci selon ce que j'ai. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. On va dire, j'ai rien, j'ai que dalle, même j'ai une miette. J'ai les papillons qui sortent des poches.
Mais voilà quoi. Donc pour l'instant, ça je garde pour moi. Les deux trucs là, les deux colis, je garde pour moi. Après, selon les marques qui vont me faire tester, parce que je leur ai demandé aussi à Decathlon de la Valentine de me faire tester leurs nouveaux produits pour la randonnée, pour la marche, pour le footing. Voilà. Des trucs vraiment adaptés aux pieds, pas que ça trop transpire, surtout les tricots de la même matière que ça. Voilà. Des trucs vraiment que ça respire au niveau du corps. Et voilà, pour l'instant, là, il y a Footlocker. Je remercie Footlocker de la Valentine. Après, je pourrais pas vous dire. En fait, c'est pas tout à fait carrément dans le magasin de Footlocker de la Valentine. C'est eux qui travaillent. Des fournisseurs, pardon, qui travaillent avec Footlocker, qui livrent pour eux, pour le magasin et les magasins aux alentours. Et voilà, et ils m'ont demandé de tester prochainement les baskets aux pieds. Ouais, sûrement je testerai pour pas éviter de prendre les transports en commun pour aller chercher ma voiture. Parce que bon, c'est vrai que nous, dans le 13e, ça fait loin jusqu'à la Timone. À part prendre la ligne 1 de métro mal passé jusqu'à la Timone. Après, on a le 72 derrière le conseil général départemental, Saint-Just. On a le 72 qui descend jusqu'à au Jarry et à la Timone. Mais bon, vu qu'ils m'ont créé une paire de baskets adaptées à mes besoins, même si je répète à le dire, même que j'ai la voiture, moi de temps en temps j'aime bien marcher. Même comme il fait chaud, comme en hiver, été, je suis tout terrain. Voilà. J'aime bien être adapté. Voilà, je veux que mes pieds se sentent bien quand je marche. C'est important le confort. Et il y en a beaucoup qui vont être du même avis que moi, mes fans de YouTube. Donc, voilà. Donc, je sais que ça fait beaucoup de donc. Mais bon, si j'ai moyen de vous faire gagner certains lots que de grandes marques m'envoient, il n'y a pas de souci. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, la famille, et ça sera avec plaisir. Ali Makaï, quand il vous dit quelque chose, croyez-le. Voilà. Selon ce qu'on m'envoie, et parce qu'il y a certaines marques ils n'ont pas voulu que je garde certaines de leurs colis, c'était juste pour tester sur ma chaîne YouTube, et ensuite de le renvoyer encore, de cavaler à la poste et renvoyer. Non. C'est bon. Et en plus, des fois, si les colis sont lourds, ça coûte des pépettes. Et voilà. Et certaines marques ne prennent pas en charge le retour. Ça veut dire que ça sort de notre poche. Donc, voilà. Parce qu'à la poste, ils vous comptent le colis au kilo. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la même paire que j'ai fait gagner un abonné. Moi, la première paire, je l'ai achetée à Footlocker de la Valentine. Et voilà quoi. Et vu que je ne retrouvais pas le même modèle, j'ai demandé aux certains fournisseurs en ligne. Bon, après, il y a des circuits que je pourrais pas passer par ma chaîne YouTube parce qu'ils m'ont demandé d'être. C'est très confidentiel, c'est entre guillemets, c'est compliqué le circuit pour passer par un tel, un tel, un tel. Voilà. Ils n'ont pas voulu trop que je m'expose dessus. Je suis en contact avec certains fournisseurs qui livrent certaines marques dans les magasins. Voilà. Pas tous. Il n'y en a pas une flopée parce qu'il y en a qui veulent pas aussi. Ils veulent carrément qu'on achète le produit carrément en magasin, mais bon, des fois, il y en a, ils n'ont pas les moyens, ça coûte pépette aussi. Donc, voilà. Donc, si j'ai moyen de les faire tester à mes visiteurs de ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, je vous les ferai tester et je vous demanderai rien en retour derrière. Ça serait un cadeau de bon cœur. Cherche pas à avoir plus de likes, plus d'abonnés, voilà, je cherche pas ça, c'est pas mon but, moi, à la base. Les gens qui vous demandent à chaque fois de vous abonner, de liker les vidéos, en fait, ils touchent des sous derrière. Il y en a qui veulent pas le dire, mais moi, je vous le dis. Voilà. Moi, c'est pas mon but. Moi, si je peux faire tester certains de mes produits à mes visiteurs, pourquoi pas? Après, selon ce que je reçois aussi, si c'est que des câbles pour téléphone, machine,
Voilà quoi, ça c'est pas ça, vous pouvez l'acheter au magasin directement, ou alors que je vous vois, je vous le donne main à la main. Voilà, c'est pas, je m'en fous. Après, voilà quoi. Après, moi j'attends beaucoup, j'attends pas que des affaires de marque, ou j'attends aussi de l'alimentation, certains produits bio, pardon, pour tester. J'attends toujours, hein. J'attends toujours que, je sais pas, ça dure combien. J'ai contacté le site et il m'a dit qu'il fallait attendre, c'est un peu long. Même les ampoules, des ampoules nouvelle génération pour consommer moins d'électricité. Là, j'attends aussi d'une marque anglaise, 25 ampoules différentes pour mon intérieur. Et j'attends toujours, quoi. Donc, voilà, quoi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, mais garde-les. Et non, justement, il y a certains trucs de marque, tu peux pas garder. Et je m'adresse à tous les gens qui me regardent, et vous le savez, il y a certains trucs de marque qu'on ne peut pas garder à la maison. C'est juste pour tester pour la chaîne YouTube, et ensuite, hop, on doit les ramener à la poste et les réexpédier aux fournisseurs type. Il y en a qui sont gentils. Il y en a, entre guillemets, ils sont gentils, ils vous font cadeau. Et en plus, moi, c'est pour une bonne cause. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à en acheter, ou que les parents ne veulent pas le racheter aux enfants ou quoi. Si je peux vous les faire gagner, ou même donner main à la main, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est selon ce que les marques m'envoient. Après, ce n'est pas toutes les marques qui sont en partenariat avec ma chaîne YouTube. Donc, voilà, donc c'est la moitié en échange. Des fois, je reçois rien. Des fois, si je teste directement au magasin, ils me prennent en photo que la partie du bas, pas le haut. Ça fait que vous n'allez jamais me trouver dans les catalogues ou quoi. Et maintenant, il y a des trucs qu'ils ont changé. Parce que si je dois refaire un nouveau contrat avec certains types de marques, je veux qu'on me prenne de la tête aux pieds. Ou sinon, c'est pas la peine. Et ouais. Il y a un moment de ça, je suis un peu gentil, mais bon, il faut pas me prendre pour un yoyo aussi, hein. C'est donnant-donnant. Ils veulent que je fasse tester au maximum leurs produits, que je les teste à l'usure. Ah ben, c'est donnant-donnant. Hein. Et ouais. Et encore, moi, si je peux les faire donner à des gens qui n'arrivent pas à en acheter, franchement, ça serait de bon cœur. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous demander quelque chose derrière. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Alim Makay, il est tranquille, voilà, il est calme, voilà. Je vous demanderai rien derrière. Donc, ni de like, ni de abonnés, c'est avec bon cœur. Si je peux rendre un sourire à quelqu'un, ah ben c'est avec bonne volonté, de bonne foi, et ce que vous voulez derrière. Voilà. Là, je suis obligé de montrer l'ensemble parce que. Eh ouais, parce que le magasin qui me l'a donné, il m'a dit il faut que tu te montres assez souvent avec. Mais bon, ils n'ont pas tellement trop besoin que je me montre trop 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 avec. Hein, parce que franchement, c'est un peu délicat. Un peu délicat. Les gens, ils n'ont pas besoin que de ma chaîne YouTube. Il y en a, ils vont au magasin, Sport 2000, l'Olympique de Marseille, machin. Voilà quoi. Donc, voilà. C'est comme il y a certains types de restaurants autour du Vieux-Port. Là, c'est aussi c'est compliqué, je ne peux pas trop les citer les noms. Mais ils m'ont demandé d'être présent. Mais eux, ils croient que c'est gratuit. Rien n'est gratuit dans ce monde. Rien n'est gratuit. Et ça, c'est à mes dépens que je l'ai pris. Depuis que je suis né à Marseille, j'ai jamais vu quelque chose de gratuit. Jamais. Il y en a qui le disent pas parce que c'est un cercle fermé, on va dire. Mais bon, moi, je casse la balance. Et quand j'ai quelque chose à le dire, je le dis haut et fort. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. Peut-être je me ferai des jaloux derrière, mais c'est pas grave. Alhamdoulilah, pas grave. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse le plus. Beaucoup de marques m'ont demandé c'est quoi ta couleur préférée? Ben, le rouge, le bleu. Après voilà, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'après, certains types de couleurs ne vont pas avec tout. On ne peut pas s'habiller comme le carnaval aussi. Hein. Donc voilà. Donc je vous montre la même paire que j'avais acheté moi la première fois
Et elle que j'ai fait gagner, quand je dis gagner, c'est un grand mot. On va dire même, j'y ai donné même presque gratuitement. Hein. C'est moi, je l'ai payé cher en magasin, à Foot Locker, hein, ma paire de baskets. C'est les TN Requin. Et quand vous savez que selon où c'est fabriqué, parce que même si c'est Foot Locker, c'est fabriqué en Chine quand même, hein, ils ont des fournisseurs en Chine. Donc pourquoi payer plus cher une paire de baskets à Foot Locker que vous pouvez les commander à moins cher? Après, bon, vous allez me dire c'est pour la qualité, que ça résiste. Voilà, après, ça dépend certains types de fournisseurs aussi. Certains types de fournisseurs, la qualité. C'est pour ça que, avant de faire gagner des lots à mes visiteurs de ma chaîne YouTube, je ferais mieux tester moi-même. Tester. Et après, voilà. Donc, si vous avez peur, que ça soit ouvert ou arracher l'étiquette des baskets. De toute façon, les produits, moi, je les laisse toujours neufs, hein, avec les étiquettes et tout, ouais, pour voir que vraiment que ça sort du magasin et du fournisseur. Au moins, c'est sûr et certain, y a pas, ça n'a pas été arraché, c'est vous, il y aura toujours le contenu de la boîte complet. Voilà. Même on se donnera rendez-vous quelque part, par exemple Carrefour Le Merlan, le plus près. Bon, vu que là pour l'instant j'ai pas de voiture, donc elle est prête ma voiture, elle est réparée. Mais j'attends juste le garage qui doit m'appeler pour venir la chercher dans la semaine. J'espère vite parce que sans voiture je galère. Hein. La carte de bus, à force de recharger la carte de bus de l'RTM, ça part vite. Hein. En plus les contrôleurs, ils vous la passent à la machine, ils vous prennent un peu de sous dessus. Voilà. Et voilà quoi. Donc je vais vous montrer. Voilà. C'est ceux-ci. Vous voyez qu'ils sont neufs, que je ne les ai pas utilisés encore. Hein. Ils sont. Regardez. Ils sont tout neufs. Je ne les ai pas utilisés. Ça, c'est les mêmes baskets la première fois que j'avais acheté à Foot Locker et de la Valentine. Et après, j'ai redemandé aux fournisseurs de Foot Locker qui travaillent avec eux de me renvoyer une paire, pardon. Parce que il y avait un jeune, il me faisait tellement de la peine que voilà, je lui ai offert. Et voilà quoi. Hein. Je lui ai offert. Moi, je suis Hanoun. Hein. Moi, je tire de ma mère. Ma mère, elle avait le cœur sur la main. Elle faisait les gâteaux à tout le monde, au docteur. Elle faisait à tout le monde les gâteaux. Et elle donnait des sous aux pauvres. Moi, pareil. Moi, j'ai tiré de ma mère. Voilà. Mais bon, ça va pas être tout le temps comme ça. Hein. Moi aussi, j'ai besoin pour moi aussi. Hein. C'est vrai que je donne. Parce que nous, chez les musulmans, il faut donner entre le jeudi ou le vendredi. Voilà, avant la prière. Chez nous, ça porte très bonheur. Surtout chez les Syriens ou Iraniens. Voilà. Et voilà quoi. Donc, voilà, c'est la même paire que j'ai donnée, on va dire presque gratuitement. Et même, on pourrait dire même gratuitement que j'ai donné à un abonné. Ses parents, ils n'ont jamais voulu. Pourtant, son père, il est docteur. Et regarde, je vous assure, hein, rien que le domaine qu'ils ont. Oh, allô? Ils ont des chevaux, on dirait la petite maison de la prairie. Attends, j'ai dit, oh, ça va, si vous n'êtes pas dans le désespoir, comme nous, on vient des quartiers, nous on n'a rien, on n'a même pas une cuillère en argent à la bouche. Nous on a une cuillère en argent, laissez tomber, nous on a une cuillère à soupe en inox, achetée sur les magasins bidons. Ils vivent bien, ils ont un terrain, le père il a un hélicoptère. Attends, tu vas me dire à ton fils, tu peux pas lui prendre une paire de requins. Attends, c'est hallucinant. Alors bon, c'est vrai que ça lui va un peu grand, parce que moi, de taille, je fais 44. Bon, il va avoir des pieds en forme de péniche, mais bon, ouais, c'est quand vous êtes grand, c'est 1m88. Et voilà quoi. Donc j'ai fait gagner. Alors après, le père, il est venu. Il m'a dit, je ne savais pas que vous étiez Ali Makaï, parce que mon fils, il vous regarde depuis des années, depuis quand vous avez créé votre chaîne en 2010, à rapport à vos tortues, le chien qu'il y a sur la chaîne et tout, oui. Et voilà, moi, la première fois, c'est les mêmes que j'avais acheté à Foot Locker.
Et après, comme il m'a fait de la peine, le jeune, j'y ai donné, j'y ai offert. Et voilà quoi. Donc j'avais demandé au fournisseur de Footlocker s'il pouvait me renvoyer la même paire, identique. Voilà. Parce que je vous reconnais, j'ai juste cassé l'étiquette. Parce qu'il y avait le sel dedans. Je sais pas s'il y a encore. Ce qu'ils mettent là, comme du sel là. Ah ben voilà, je vous montre pas, regardez, il y a encore les emballages. Attendez. Comment je pourrais faire tenir ma tablette? C'est pas évident. Comment je pourrais faire tenir ma tablette? Je vais vous montrer encore les emballages. Non. Pour vous montrer à quel point c'est neuf. Je sais pas si je pourrais. C'est pas évident, je vous assure que c'est pas évident de tenir la tablette. Je vous montrer bien. Attendez. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Hein. Ah, il faut que je m'achète une GoPro. Hein. Franchement, depuis que les gens, depuis que mes visiteurs ils me le disent. Et ouais, mais moi j'ai l'habitude de filmer avec ma tablette ou avec mon téléphone. Ça le problème. Je sais pas si vous aurez arrivé à voir, c'est pas évident. Il y a encore les trucs. Voilà. Il y a encore, je les ai pas testés hein, parce que normalement je devais m'habiller pour la fin du Ramadan. Je devais m'habiller pour la fin du Ramadan. On a eu. Voilà, il y a encore le papier, regardez. Voilà. Pour vous montrer que vraiment que c'est neuf, que je ne les ai pas utilisés encore. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous reprendre mieux que ça. De les mettre en valeur. Voilà. Il y a encore les. Voilà. Et encore les trucs. Voilà, c'est pas évident. Comment je pourrais me mettre? Ils sont belles, hein? Franchement. Voilà. Au début, je voulais les mettre avec ce que j'ai, ma tenue de l'OM. Ce que j'ai actuellement sur moi. Ensuite, je voulais les mettre avec mon short blanc et mon nouveau tricot parce qu'il y a Boss de la Valentine, le magasin Boss, mais Boss, c'est pas que Boss. Ils ont plusieurs marques dans le magasin. Ils ont voulu aussi que je les mette, comme il est rose le tricot. Et ils ont voulu que je les mette avec ceci. Et voilà quoi. Mais ça va dans la base, regardez, ils sont neufs, hein, je ne les ai pas utilisés. Vous voyez bien que ils sont restés dans la boîte depuis que le livreur il est venu. J'ai dit, oh putain, c'est qui tape en pleine nuit? Oh, le mec il est venu jusqu'à minuit. Oh. Je l'ai vu tout barbu comme un chabal. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce qu'il veut? Il avait des gros gants sur lui. Oh, sans mentir, je me suis équipé. Hein. Yo, qu'est-ce que c'est? On ne sait jamais, parce que les gens ils sont tellement fous maintenant. Oh, moi, je me suis équipé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Un mec comme ça, avec les gants avec le mois de mai. Le mois de mai, ouais, je l'ai vu, franchement, je me suis. Qu'est-ce que c'est ça? Le mec tout barbu, là, avec le. J'ai dit, frère, tu m'as fait peur. Moi, je me suis équipé, hein. Bruce Lee. Quand je l'ai vu devant mon appartement, enfin, j'ai dit, oh, qui c'est vous lui? Tout barbu. Voilà, je me suis équipé. Après, il m'a dit, oh, tu es sorti avec le match à coup, tu es prêt pour Bruce Lee ou quoi? Il m'a dit, je suis le livreur de Footlocker, le fournisseur. J'ai dit ça, hein. J'ai dit, ouais, tu me fais peur. Hein. En plein mois de mai, tu es avec les gros gants, la barbe, le bandana. J'ai dit, oh, tu sors d'où là? Ouais, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, tu as pété les plombs. En pleine nuit, je viens comme ça, en plus à minuit.
Et il m'a dit, comme j'ai de la marchandise et tout dans le camion, je peux pas. Eh ouais, bon, après ça se comprend. Ah, je ne sais jamais, si c'est un fou, moi je le reçois bien. Hein. Eh ouais, moi je le reçois bien, mais bon. Mais comment, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, selon ce que je reçois, mes fans de YouTube, selon ce que je reçois comme colis, parce que je dois recevoir aussi des accessoires de téléphone, des trucs pour la TV aussi, pour trucs numériques TNT à tester aussi. Alors ça, c'est encore une autre marque, un sous-traitant qui doit m'envoyer ça. Ça aussi, s'il y a moyen de vous le faire passer, pourquoi pas, vous testerez à la maison directement. Voilà. Ah, ils sont belles en tout cas. Vous voyez qu'ils sont neufs. Hein. Regardez. Ils sont pas. Regardez comme ils sont neufs. Je vous ai pas menti. 44. Attendez, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Voilà, 44. Hein. Voilà. Vous voyez que. Ils sont bien neufs, ils sont pas utilisés. Ouais, il est venu me les apporter. Franchement, il m'a cagué dessus avec sa grosse barbe et tout. On dirait Chabal. Le mec, il fait quoi? 2 mètres, il fait. 2 mètres? Je dis, attends, tu sors comme ça, tu m'as fait peur. Il me tape en plus. J'ai pas vu qu'il avait le colis en fait. J'avais pas vu qu'il avait les cartons en plus tout enveloppé et tout. J'ai dit, oh là là. De lumière, je l'ai tourné comme ça, comme ça. Comment je pourrais présenter comme ça? Voilà. Vous voyez que c'est tout neuf, hein, regardez. J'ai pas utilisé. Vous voyez bien qu'elle est neuf, la paire de baskets. Regardez, c'est tout blanc. Regardez, vous voyez que c'est tout neuf. Hein. Ils sont stylés en plus. Moi j'aime bien. Alors ça, on m'a dit que c'était adapté à mes besoins, à la marche. Même si c'est des TN requins, on m'a dit que ça s'éclairait la nuit. Ça doit être, je crois que c'est les parties-là, c'est réfléchissante. Là, à partir de là, il m'a dit dans la nuit, ça s'éclaire. Hein. Ça, c'est pas le magasin qui me l'a dit. C'est quoi? C'est pas le fournisseur, c'est le livreur. Voilà. Je pense que bon, ça a testé. Hein. Je les mettrai au pied prochainement. J'essaierai de vous filmer ça. Où c'est que je pourrais aller tester ça? Ben ouais, peut-être qu'en cherchant. Quand je vais aller chercher plutôt ma voiture dès que le garage m'appelle. Ou alors. Voilà, et après je vous dirai. Par contre, on m'a demandé de ne pas prendre les transports en commun. Ni de prendre le bus ni le métro de chez moi. De me rendre jusqu'au garage à pied. Mais bon, en faisant ça, je vais passer par le Jarry, en passant par Malpassé, et par la voie rapide, et marcher à la fraîche, parce que selon quand c'est, il va m'appeler, le garage, s'il doit m'appeler pour, mettons, dans le matin, je partirai avant qu'il y ait les fortes grosses chaleurs qui se déploient. J'essaierai de partir vers les coups de 5h, 5h30 du matin. Au moins, je peux marcher à la fraîche. Et voilà, jusqu'à la Timone. Et j'essaierai de vous filmer ça quand je marche. Voilà. Après, je ne pourrai pas filmer tout le temps, parce que je veux garder un peu de batterie aussi. Je vous marcherai déjà on va dire, les premiers kilomètres, en partant de chez moi, métro Malpassé, direction voie rapide, Jarrier, direction Jarrier, la Timone. Et voilà quoi. Donc. Elles sont belles. En plus, ils sont légères. C'est ça qui est bien. Je leur ai demandé des baskets pour tester. Vraiment, ils sont pas lourdes comme les autres baskets. Voilà. Ils sont vraiment très légères. Elles sont belles. Voilà. Donc, je remercie encore les fournisseurs qui s'occupent avec Footlocker et Sport 2000. Et voilà, et tout ce qui va me reconnaître. Voilà.
Si j'ai pas encore testé, ça va être testé prochainement quand je vais chercher ma voiture au garage. Voilà mes fans de YouTube. Bon, je vais vous laisser sur ça parce que vous savez quelle heure il est là. Il est 2 heures et franchement, Ali Maka il a les crochets, il a pas mangé encore. Hein. J'ai trop faim. Là, je suis parti acheter vite le pain. Ali Maka il a les crochets, il a faim là. Parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Voilà quoi. Hein. Voilà, ou sinon dans l'ensemble, ça testé. Donc j'essaierai de recharger bien mon téléphone portable avant de partir le matin. Et de vous faire marcher, de vous faire déjà, de vous filmer la route, que je vous montre bien que je marche bien à pied. Parce que le fournisseur, il m'a dit, on vous a fait, monsieur Macaille. Des baskets très légères, souples, non transpirantes pour le pied, qui maintiennent bien et surtout idéal pour la marche. Voilà. Et après, moi j'ai dit que j'étais maniaque. Moi je croyais qu'ils n'allaient pas me les laisser en cadeau. Je croyais qu'il fallait que je les ramène. Non, il m'a dit, vu que vous avez fait le don de vos baskets à la première personne. Donc, pour vous récompenser de votre geste généreux, voilà. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Au moins, ça m'évite de les re-acheter parce que quand vous les achetez au magasin, ça coûte une pelle. Hein. Donc, voilà. Bon, après, ça a testé. Hein. Et comme je vous l'avais dit, j'avais. La première fois, c'était pour le Ramadan. Je les avais achetés de bonne heure avant qu'il commence le mois de Ramadan. Et vu que le petit abonné là, il m'a dit je te suis, j'adore tes vidéos, voilà. Et moi je comprends pas. Le mec, le père du garçon, si je sais qu'il me regarde, c'est vrai, ça va être vexant ce que je vais lui dire. Mais attends, vous en avez, vous avez le compte, il est plein. Nous, dans le 13e, on est pauvres. On arrive juste à serrer ceinture à la fin du mois. Le plus dur, c'est la fin du mois. Quand vous payez toutes vos factures, moi, on me retire l'assurance de la voiture, on me retire l'assurance de la maison, faut mettre à manger sur la table. Et encore demain, je sais cuisiner. Ma mère m'a appris. Je la remercie. Je la remercie. Et encore, elle m'a appris à cuisiner. Je sais faire les gâteaux et tout. Le plus dur du mois, le plus difficile, c'est la fin du mois. Déjà au départ, vous payez le loyer, vous payez les factures, tout ce qui est facture. J'ai l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison. Voilà. C'est pour ça que, bon, encore heureusement, je touche du bois. Je ne fume pas, je ne bois pas. Jamais dans la vie. Staffa la yarbi. Jamais. Jamais je toucherai à la cigarette. Parce que quand je vois les fumeurs autour, putain, oh, le paquet va encore augmenter. Hein. Et franchement, je vais vous dire une chose, les fumeurs. Hein. Franchement, vous savez quoi? Vous êtes esclaves des Marlboro. Vous êtes ex. Ouais, vous êtes des esclaves. Franchement, c'est qui se font les sous? C'est pas les bar tabac, c'est l'État. L'État, ils font des sous sur votre compte. C'est pour ça qu'ils ont tous des méchantes voitures et tout. Hein? À l'État. Et ouais, franchement, arrêtez de fumer, c'est ça.